Gary Cooper s'est fait connaître au public essentiellement sous l'uniforme. Sur 82 films, 30 le montrent en tenue, depuis l'opus 5 Wings jusqu'à l'avant-dernier The Wreck of the Mary Dear, réalisé 32 ans après. Et peut-être faudrait-il ajouter à la liste pour qu'il sonne le glas, où il est en tenue civile, mais où il fait la guerre. Il représente donc le droit officiel, conventionnel, quelque peu perverti en fin de carrière, puisque dans la comédie You're in the Navy Now, 1951, il incarne un gradé affecté à un poste qui ne relève absolument pas de sa compétence. Et puisque The Court Martial of Billy Mitchell, 1955, le montre en général paria, critiquant les orientations de l'armée. Et le capitaine de la Mary Dear, bateau fantôme qui fait du trafic d'armes et où il est seul à bord, passera lui aussi en jugement comme Billy Mitchell. Mais, plus encore qu'une valeur morale, l'uniforme représente un atout visuel. Il met en relief l'immense taille de Cooper. Sa minceur en fait presque un mannequin. Toutes les tenues y passent, terre, mer, air, uniforme ancien dans les westerns, ou exotique, tenue de légionnaire de l'armée française, ou les deux à la fois. The Lives of a Bengal Lancer. Morocco 1930 n'est pas le premier film où on le voit en légionnaire. Il y avait déjà eu Beau Sabreur en 1928, mais c'est celui qui a imposé cette image de marque. Sans nul doute, le succès de Morocco a incité des producteurs paresseux à faire de lui un militaire à travers 5 films consécutifs, de 1931 à 1933. On peut d'ailleurs dire, en voyant le Morocco de Sternberg, que Cooper y est plus une silhouette, une statue, une image, un modèle, un objet, un élément de la plastique générale du film. Il s'apparente à l'homme fort sternbergien, option géant, tout comme plus tard John Wayne, qui alterne avec l'option armoire à glace, George Bancroft, Emil Jannings, Victor McLaglen, Wallace Berry, Victor Mature, le Mitchum de Macao tenant des deux. Prédilection qui expliquerait d'ailleurs l'échec de Crime et Châtiment, Raskolnikov Peter Lorre étant évidemment l'antithèse de l'homme sternbergien. Cet aspect mythique coïncide pleinement avec l'esprit du film. On sent que Sternberg a accepté et même recherché tous les éléments conventionnels déjà mythifiés. Beau légionnaire, femme fatale, amour impossible, vieux séducteur français riche et malin, plus les beautés et les pièges de la mystérieuse Afrique. Ce parti pris lui permettait de bien s'en tirer en toute hypothèse.